Bonsoir à tous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Marie. Bonsoir et bienvenue sur le plateau du TNT Show, le rendez-vous musical sur Direct 8 chaque semaine à partir de 20h30 ce soir, 20h50, on s'excuse vraiment. C'est le problème, c'est le direct, c'est comme ça, mais bon, en échange, on est ensemble jusqu'à 22h30, ça veut dire presque 1h30, 1h40 de pur bonheur, de pur direct. Alors qui est avec... Et puis Claudia Meilleur, et on va tout de suite commencer en chanson. On commence évidemment, on va pas vous faire patienter encore plus, voici Claudia Meilleur, elle était venue ici autour de la guitare avec Jean-Félix Lalanne, on l'avait découvert avec grand bonheur. Eh bien, elle vient nous présenter un nouvel album, Azul. Voici Claudia Meilleur avec un premier titre qui s'appelle Célia, comme sa fille, c'est marrant. Claudia, tant que tu es au micro, présente-nous tes deux musiciens, si tu le peux, s'il te plaît. À la basse, Monsieur Nas. Bravo. Et Marquito, Marc Benabou. Viens nous rejoindre. Bonjour, Marquito, viens avec nous. Quelqu'un va s'occuper de la guitare de Claudia. Claudia qui sera donc demain en première partie de Lara Fabian, on le rappelle, au Zénith. Et puis l'album qui est dans les bacs. Merci, bravo. Non, bravo. Ça, bravo, merci. Allez, à toi. Faites votre choix.
quel plaisir de te revoir une nouvelle fois dans le TNT Show. Et moi donc. Je finis à paraître comme à la maison. Oui. On peut dire depuis le TNT Show pour annoncer autour de la guitare que moi je suis allée sur scène voir Jean-Félix pour son spectacle et que Claudia était éblouissante. Elle a chanté Las Flores des Eucalyptus. Enfin, moi je ne prononce pas très bien, c'est à peu près ça. C'est vrai que tu ne prononces pas bien. Et c'était. Oui, qui est sympa. Et c'était incroyable. Moi j'avais la chair de poule toute la chanson et toute la salle était sous le charme. Voilà, donc ça c'est dit. Ça c'est grâce à la chanson déjà. Et la voix de Claudia. Alors, on va revenir quand même un petit peu sur ton parcours, pour ceux qui n'étaient pas là pour cette émission. Exactement. T'es rentrée très tôt au conservatoire pour apprendre la guitare. Donc, oui, je voulais être guitariste au départ, c'est vrai. Et puis le chant. Le chant est venu après. Comme j'ai dit l'autre fois, j'ai pas choisi de chanter. C'est plutôt, une fois je me suis retrouvée, on m'a obligée à chanter. On m'a dit, si tu joues de la guitare, c'est que tu dois chanter juste. Alors vas-y. Je suis dit, bon, d'accord, je vais. Puis les gens m'ont applaudi et tout. Puis après, j'ai dit, pourquoi pas. Et puis voilà, donc ça s'est fait comme ça. Et du coup, j'ai un peu délaissé la guitare pour le chant. Mais maintenant, j'essaie d'équilibrer. D'allier les deux. Et ta famille t'a soutenu aussi pour le chant? Bien sûr, bien sûr. Moi, je viens d'une famille de 8 enfants. Donc plus il y avait la fête, plus on entendait des voix, plus des percussions, plus on était contents. Mais de là en faire carrière, c'était, ouais. C'est aussi... C'est... Ça ne s'est pas décidé. D'accord. C'est-à-dire, je ne me suis pas dit vraiment, je vais faire carrière dans la chanson. Tu as décidé quand même à un moment. Tu t'es dit, tiens, je ne fais pas autre chose. Oui, tout à fait. En avec fait, une voix en plus comme la tienne. Oui, je ne me suis pas dit, voilà, je veux faire ce métier. J'ai commencé à apprendre la guitare. Après, je me suis produite dans des endroits où j'ai vu que les gens me disaient, mais c'est super. Alors, je me suis dit, je vais peut-être essayer de faire quelque chose, d'apprendre des titres. Et puis c'est un jour, j'étais à Marseille, je me souviens très bien, j'avais... Bon, je ne vais pas dire mon âge. j'avais 15 ans. Et je me suis retrouvée dans un cabaret. Et mes sœurs qui savaient chanter me disaient, allez, vas-y. Je dis, mais ça ne va pas. Et puis du coup, le patron m'a dit, est-ce que vous voulez travailler ici le week-end? J'ai dit, d'accord. Et c'est venu comme ça, voilà. Tu as appris aussi des instruments ethniques. Alors, je ne les connais pas tous. Mon flûte de pan, charango. Oui, après, le charango, c'est une petite guitare en carapace de tatou. C'est bolivien. Et ça a 12 cordes. C'est très cristallin. Et c'est vraiment typique par rapport à cette musique. Alors, un autre. Quattro. Le quattro. Mon instruction. C'est un petit instrument à 4 cordes qui est vénézuélien. Disons que j'ai rencontré des Sud-Américains qui m'ont initié. Dans un groupe, Ayahuasca. Voilà. Qui m'ont initié à cette musique. Pas du tout. Fire, toi. On fera un peu la balle, forcément. Ayahuasca. Voilà. Et donc voilà, ils m'ont initié à ça. Puis c'est vrai que j'avais une tendance à aimer la musique d'espagnol qui est très proche. Moi je suis née au Maroc, donc très proche de. C'est très latin. Quoi. Donc j'ai vraiment collé tout de suite à cette musique. Et alors là, donc cet album, tu chantes qu'en espagnol? Oui, je suis revenue aux sources. Parce que tu chantes dans plusieurs langues? Oui, bien sûr, je chante déjà en français, espagnol. Qui est ma langue maternelle. Mais j'ai voulu revenir justement à mes débuts où je chantais toutes ces chansons sud-américaines qui m'ont amenée dans des univers où j'ai découvert la musique brésilienne, l'instrument, le chant, l'harmonie. Donc c'est un album qui a été vraiment enregistré live. On a enregistré... Vous avez travaillé ensemble. Alors justement, une rencontre artistique au démarrage ou amoureuse? Je rentre en plein cœur. Alors, pour vous raconter la petite histoire, on a un ami commun. En fait, Marco était réalisateur des albums de Francis Lalanne. Enfin, il l'est toujours. Ils travaillent ensemble depuis... Quelques temps, les années 1920. Voilà. Et donc Francis, qui savait que je chantais, il a dit à Marquito, ça serait bien que tu fasses un album pour une amie à moi. Il a des chansons super, dont Célia, qui est de Marquito. Et voilà, donc nous avons fait des maquettes, nous avons fait un album de famille et un album de musique. Voilà. Avec cette chanson, Célia, donc pour ta fille. Tout à fait, c'est Marco qui a composé cette chanson quand j'étais enceinte. Alors j'étais tout émue.
Ben oui, c'est et plus... on l'a faite dans toutes les langues, en anglais, en français, en espagnol. Oui, c'est ce que j'ai été demandé. Selon mon humeur. Les chansons en espagnol, c'est parce que c'était mieux de les avoir en espagnol, celle-ci, ou parce que c'était uniquement par rapport à la langue que tu voulais chanter dans cette langue-là? Oui, parce que c'était une cohérence par rapport à l'album, où j'ai voulu reprendre des grands standards latino-américains qui m'ont vraiment marqué, justement pour revenir aux sources, guitare-voix, où on a fait vraiment un album... très acoustique avec des percussions, guitare et basse, et, ou même que des guitares-voix avec Jean Félix. Donc j'ai voulu retrouver cette nature. Donc moi j'avais des titres, j'ai voulu les insérer, parce que ça collait bien, je les ai fait en espagnol, mais je les ai dans d'autres versions aussi. Parce que Eucalyptus, je prononce à la française maintenant, okay, je ne m'engage plus. Moi je l'ai entendu, on l'a entendu en espagnol sur ce plateau, et en hébreu autour de Jean Félix et de sa guitare, et c'était magnifique. Vous restez avec nous, évidemment. On va continuer à parler de cet album et on va continuer en musique avec un autre grand monsieur qui arrive. On va tout de suite écouter une grande voix de la chanson française, Claudia Meyer, sa musique aux influences latines, sud-américaines ne laisse personne indifférent. Tous les plus grands veulent travailler avec elle, Lara Fabian, Morane, Jean-Félix Lalanne, et on écoute tout de suite la fameuse chanson dont je vous parlais tout à l'heure, Eucalyptus, qui est absolument extraordinaire. L'album Assoul. Merci. Quel plaisir de réentendre cette chanson.
Bravo. C'est beau. On va peut-être demander à Marquito de nous rejoindre. On va faire une petite place pour parler justement de... de la réalisation... Parler un peu plus de l'album qu'on a fait tout à l'heure. Azul, déjà ? Oui, déjà, oui. Ça veut dire quoi ? Azul, ça veut dire bleu. Bleu ? Bleu. Ça peut être le bleu du ciel, enfin, le bleu. Je trouve que c'est une couleur... Tu n'es pas dans la lumière, c'est ce qu'on me dit à l'instant. Je ne suis pas spécialiste. Mais... Alors, comment vous travaillez tous les deux ? Parce que Marquito est un grand musicien. 1m70. Ah non, non, grand, tu par le talent. Non, donc pas oui, grand. Par le talent. Merci. Je te mets bien le micro. Alors, explique-nous un petit peu ce que tu fais, comment tu travailles avec Claudia. Eh ben, c'est-à-dire qu'on fait des chansons ensemble, c'est-à-dire que Claudia a une grande liberté musicale. Et ensuite, elle me propose donc ses petites trouvailles et tout. Puis on concrétise après au studio ensemble. Et puis voilà, ça se fait très, très, très simplement. Et on essaye de ne pas prendre trop de temps pour garder l'énergie du moment et de la chanson qui est concernée. Tu travailles aussi pour d'autres artistes ? Oui, j'ai beaucoup travaillé pour Francis Lalanne, pour qui j'ai réalisé plusieurs albums. J'ai travaillé pour différents artistes, mais Richard Bohringer, par exemple. J'ai toujours été bien branché sur les mots. Les gens qui disent des mots... comme Bohringer, comme que je viens de dire, comme Tiki Olgado, notre regretté Tiki Olgado. Il était avec Claude François, il avait 17 ans. Mais ça, c'est la musique. Ça, c'est la musique. Et puis voilà, Philippe Lothar. Donc voilà, j'ai eu toute une période où j'étais vraiment branché sur les mots. Et je pense que les mots véhiculent beaucoup de choses à travers la musique aussi. Alors Claudia, je vais te mettre ta contribution. Et un titre que j'aime bien sur l'album, je vais encore mal prononcer, c'est Gracias a la vida. Gracias a la vida. Est-ce qu'on peut... Pas mal, hein, quand même. Oui. Est-ce qu'on peut avoir un petit bout a cappella ? Tu peux me donner ma guitare, parce que moi... Avec la guitare. Non, mais c'est mieux. Moi, je vais tenir le micro et puis tout ça. Même si on n'entend pas, c'est pas grave, mais ça fait corps avec moi. Alors, pendant qu'on t'emmène la guitare, comment ça se passe avec le public de Lara Fabian ? Je me suis dit, je vais me faire massacrer. Lara. Eh ben oui, non. Non, je crois qu'ils t'ont vraiment. Alors, franchement, c'était plus que ce que j'espérais, quoi. C'était magique, parce que d'autant plus que ça n'a absolument rien à voir avec l'univers de Lara. Justement, c'est peut-être ça qui a surpris les gens. Mais franchement, j'en ai pleuré d'émotion. Alors, on va demander à Alan de faire micro-voix. Un micro pour la guitare, c'est pas grave. Ah bon ? Un petit peu. Allez, on y va. Gracias a la vida est un grand standard. Enfin, standard, c'est un peu péjoratif des standards. Mais bon, c'est une chanson qui est une des plus vieilles chansons argentines. Voilà, qui a comme un hymne là-bas. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto y ha dado la vida y el abecedario con las palabras que pienso y declaro padre, amigo, hermano mi luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes que es el mismo canto y el canto de todos que es mi pro. Io canto
première partie merci. De Lara Fabian et que je reprenne mes fiches. Merci beaucoup en tous les cas. De Claudia Meyer qui sera le 16 septembre au Petit Journal Montparnasse et le 11 octobre au Réservoir. Le 16 septembre et le 11 octobre. Et on continue. On continue, on va réentendre aussi tout à l'heure Claudia. Claudia, avec plaisir. Mais oui, merci beaucoup. Et là on continue en musique. Dick Rivers. En attendant, Claudia Meyer est prête. Et on est parti. Voici Maria Lover dans le TNT Show. J'étais dans un club de salsa à Cuba et j'ai vu une merveilleuse fille danser devant moi et elle était tellement belle et elle avait tellement d'amour et de joie à donner que je l'ai appelée Maria Lover. Alors est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour faire la fête pour Maria? Yes! Maria, merci d'avoir... Claudia, Maria, vous êtes Maria Lover. Oui, voilà. J'étais Maria. Claudia. Je vais vous excuser. En tous les cas, j'aimerais vous remercier de nous avoir invités. Ah non. Merci à vous. Bravo. Merci.